Bonjour la Speed Family, j'espère que vous allez super bien. It's your boy Speed in the building like you always know. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne et let's go. Alors les amis, dans cette vidéo, je vous montre toutes les bonnes adresses de bouffe à Lomé. D'accord, je vous montre tous les détails qu'il faut et ce sont les adresses à connaître. En matière de bonne bouffe, ce sont les adresses à connaître. Si vous êtes à Lomé ou même si vous êtes en visite à Lomé, vous devez connaître ça. Donc, on démarre direct la vidéo. Let's go! Alors là, c'est le Love Africa Prime, un lounge bar VIP resto où vous pouvez manger, être entre amis, causer. Ils font du painting, ils font plein de choses. C'est un endroit à absolument visiter. Ici, nous sommes à Agwezongo, en face de la poste d'Agwezongo, le marché de la viande à Lomé. C'est le plus grand marché de viande où vous pouvez trouver la viande braisée, rôtie, sur commande, comme vous voulez, juste en face de la poste Agwezongo. Alors, comme un bon viandard, on a fait plein d'emportés, différents types, 3 ou 4 emportés, je ne sais pas. Lui, c'est notre ami, c'est toujours lui qui nous sert quand on est à Agwezongo, il nous sert par rapport à tout ce qu'on veut. Et voilà. Alors là, par contre, on a commandé un chèvre entier à Agwezongo, là, que nous-mêmes, on a rôti à la maison pour une petite fête en famille, tout ça, on l'a rôti bien fait. Vous pouvez aussi le faire, commander un chèvre entier là-bas à Zongo et le ramener à la maison. Alors là, c'est à Kwesi, à l'occasion de notre food trip qu'on a organisé. Et c'est là, c'est mon frère Poulet Dominicain et DJ Barbecue. À l'occasion du food trip, on a fait du poisson braisé à Tcheke, Koliko, Tichinga, au bord du lac. C'est un endroit que vous pouvez visiter aussi, juste au bord du lac à Kwesi. Vous pouvez faire du sifio si vous voulez, ou ramener de la bouffe depuis la maison et faire un bon pique-nique pied dans l'eau. Ah, que serait une vidéo de bouffe au Togo sans Akoumé et Gbouma Dessi? Ça, c'est un Akoumé et Gbouma Dessi fait maison. Alors là, nous sommes à New Robinson Plage, un de mes restos favoris. Ils ont aussi un hôtel, ils font très bien à manger et c'est un endroit que j'adore aller en famille. Pommes sautées, légumes, piment vert, poulet, fait maison. Voilà. Alors là, c'est du kelewele, du plantain frit épicé. On l'appelle du kelewele, ça se fait aussi au Ghana. Alors cette dame se trouve juste en face de Sanya Motor sur le Grand Boulevard où vous pouvez commander à partir de 500 000 francs comme vous voulez. Alors juste en face, il y a une autre dame sous les feux tricolores du commissariat du 6e arrondissement. C'est les meilleurs, les deux sont hyper célèbres. Ritaille avec viande, œufs, poulet, concombre comme décoration, fait maison. Voilà, ça ce sont les plats qu'on fait à la maison, à penser avec les amis. Ah. Ça c'est là, nous sommes à 5050, le plus vieux restaurant de Lomé, plus de 40 ans d'existence. Et là, on y était avec les amis, vous pouvez avoir de la penta, du poulet, des frites à loco, à tcheke, tout ce que vous voulez. Donc on a pris du poulet, de la pintade avec les amis qui étaient là du Bénin. On a bien graillé comme d'habitude et c'est un endroit où j'aime aller quand je suis en ville et que j'ai faim. J'aime souvent passer par là, manger rapidement et ils ont les meilleurs plats aussi. Plus de 40 ans d'existence, sans nul doute le plus vieux restaurant qui existe encore à Lomé. Riz gras, piment, oignon, tichinga, voilà, fait maison, fait. Alors là, nous sommes à Amor Beach. Amor Beach se trouve à Baguida. Vous arrivez au rond-point de Baguida, vous prolongez vers la plage et vous allez trouver Amor Beach à votre gauche. À la fin de la route, vous trouvez Amor Beach à votre gauche. Là, on a fait un petit truc entre portes de foot. Il y a eu de la loco à Tcheke. Il y a eu aussi du poisson. Voilà,
poisson en sauce, riz, légumes, aloko, acheke, akpan, ablo, tout. Ils font tout, ils font à manger. Et nous, lors de la fête, ils nous ont fait un buffet qui était génial. Amor Beach, je répète, se trouve à Bang. Du gari avec sauce poisson à la togolaise. Et on revient toujours à Aguezongo où on était de passage pour prendre une très grande cuisse, une bonne cuisse. Ça c'est juste pour vous mettre de l'eau à la bouche pour vous dire qu'Aguezongo là, c'est mon endroit préféré quand il s'agit de viande. Voilà, c'est tout. Ça, c'est un burger fait maison qu'on a fait lors d'une petite fête à la maison. Voilà, c'est du cheeseburger. Il y a eu de l'œuf dessus. Voilà. Double cheeseburger. L'oignon frit, comme vous le savez, comme vous pouvez le voir. Et ça, ce sont des trucs qu'on fait à la maison. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous montre juste la compilation de vidéos qu'il y a toujours dans mon téléphone. Et je pense que ce sont des adresses que vous pouvez connaître, que vous devriez normalement connaître. Et ce sont des endroits que vous deviez aller. Il y a plein de vidéos que je devais normalement vous montrer qui ne sont plus dans mon téléphone. Mais si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à consulter dans les shorts, sur ma chaîne. Vous pouvez voir plein de shorts de nourriture, plein de bonnes adresses. C'est là même où je file beaucoup d'adresses. Et donc, allez dans les shorts. Et vous allez voir des adresses de restaurants, de bars, d'hôtels, tout ça dans ma feed short. Et voilà, let's go les amis. One for the road. Voilà comment se termine cette vidéo. N'hésitez pas à me demander plus d'adresses, même si vous n'avez pas vu les adresses là dans la vidéo. Demandez-moi en commentaire, je vous répondrai rapidement. Et voilà, abonnez-vous, likez cette vidéo. La cloche de notification, it's your boy Spirit in the building and let's go!